première sélection à l'équipe nationale des moins de 16. Je m'en souviens comme si c'était hier. On roulait en bus sous la pluie quand le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui s'est renversé. On a échappé au pire. Ah ouais. Car on aurait pu tomber dans le ravin et là, c'en était fini. C'était la fin. On s'est dit que c'était la fin. Kiki Kelly et Maxime Kounje, on bangopana, bayeniwe, Kiki Kelly. Mais bien sûr que ce n'était pas la fin. C'est vrai que je me suis dit que ça craint. Mais ce n'était qu'une épreuve qui aiguisa ma faim et mon entrain. Mon dessin de foot, en route vers mon destin. Alors je monte à la vitesse maximum. À 17 piges, je ne suis encore qu'un membre. Remarque, c'est juste le temps de prendre mes marques pour ma team. Assurer la base arrière-garde, remonter les stades, prendre des grades, faire rêver la gironde et lui faire gravir des estrades. Philippe Lucas m'a dit un jour, c'est rare dans le monde pro. De mon rêve de pro, je suis devenu accro. Parole de coach, véritable déclic. Fallait pas rater le gauche, alors j'ai donné la replique. Je me souviens bien de mes débuts, de tout le chemin parcouru jusqu'ici. Je suis né à Bordeaux et depuis mes 11 ans, la Gironde sous son aile m'a pris. J'y ai fait la rencontre de mes premiers ballons, honoré la nation et brandi son fanion. J'ai franchi chaque catégorie d'âge avec aisance sur les traces de mes darons. On parle de mes qualités très au-dessus de la moyenne. Athlétique, rapide et puissant. En tout cas, c'est ce qu'elles disent toutes les presses citoyennes. Je me suis souvent demandé si j'allais être à la hauteur. Mais à chaque fois, j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup de vélocité, de vivacité. Car il en faut pour faire tourner le moteur. Défenseur offensif, 29 sur le dossard. Je file comme un bolide à la vitesse éclair. Tout un art. Si j'ai eu peur, mais bien sûr que j'ai eu peur. Parfois j'ai eu des doutes, beaucoup d'écueils sur ma route. J'ai connu des défaites, des prises de tête, des moments de retraite, des kinés, des doubles entorses avec Lisbonne qui m'ont parfois assombri toute une fin d'année. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû tout stopper. Mais pour mieux redémarrer, pour mieux revenir, pour mon devenir, car avec lui j'ai appris à croire en l'avenir. Paul Pundje, comme Joseph ou son fils, tu as su prendre soin de moi, papa. Tu as porté ta croix avec moi et crois-moi pour toi. Je réalise ce rêve fou, ce rêve de fou, ce rêve qui est le mien et encore plus le tien, car tu le mérites bien. Avec toi mon père, avec vous tous mes pères et tous ces hommes qui aujourd'hui encore sont mes repères. Ce que j'ai vécu restera une véritable allégorie. Big up à vous, Nicolas, Farad, Jonathan, Ben Ali et tous les autres. C'est cette enfance qui en moi revit et qui me guide vers les buts que nous nous étions promis. Spécial clin d'œil à Philippe Lucas, Philippe Bergerot. Avec vous, j'en ai appris un peu plus qu'à la fac. Aujourd'hui, de souvenirs, je craque. De gratitude, je me braque. Et au nouveau défi, je m'attaque. Et s'il le faut, je sais que vous serez là, comme vous l'avez été pour Tremolinas. Vous serez toujours une catapulte pour moi, ma source d'énergie pour me pousser au maximum sur les traces de Lisa Razou. Maxime Pundje, bon bangok bana, bati wanjombi ya mikele. Pour l'île Pundje.
je le dois. Jérôme Villa, André Penalva, Olivier Erivo, Jean-Luc Dugon, Patrick Battiston, Marius Trésor, Jean-Jacques Gressé et tous les autres. Les victoires, c'est grâce à vous, et mes heures de gloire seront toujours les vôtres. Les télécoms, moi, mes chats. Pénaillé.